si tu vas aujourd'hui dans le pays arménien, tu entendras les fantômes chanter, et par-dessus, tu entendras les autres qui chantent, qui sont là. Ce sont les fantômes qui chantent en Anatolie. La réparation, c'est une question politique d'abord, question de justice. Mais aussi, il peut y avoir une réparation spirituelle, et ça, cela donne des forces, cela donne de la patience. Il y a une réalité, et nous, nous faisons depuis des années un travail qui est en conflit avec cette réalité. Parce que dans cette musique, il y a quelque chose qui fait du bien, et que, quelle que soit la réalité, j'ai envie d'aller avec ça. Cette musique reste pour moi-même un chant réparateur, oui.